Salut à tous, ici c'est Linak. On se retrouve aujourd'hui pour faire la découverte du jeu Ori and the Blind Forest. Donc, petit jeu indépendant des studios Moon, sorti le 11 mars, qui est un jeu de plateforme où on va incarner Ori, un esprit un peu particulier à travers un jeu tout à fait particulier, mais vraiment qualité exceptionnelle. Donc moi j'ai déjà avancé dans le jeu, on va recommencer une partie pour que vous puissiez voir l'introduction qui est tout à fait magnifique. Je vous laisserai profiter, je ne ferai pas de bruit, promis. C'est parti. Voilà pour la traduction, à partir d'ici, je prends le contrôle du gros monsieur, qui ne va pas être le personnage principal. On le contrôlera jusqu'à qu'on récupère Ori, et donc son contrôle plus tard. Donc, une fois passé les premières cinématiques, je vous expliquerai un peu plus le jeu en détail, comment ça va se passer. Donc en tout début de jeu, on va alterner pendant on va dire 15-20 minutes les phases de personnages. Une fois le grand, une fois le petit. Et vraiment au tout début, c'est bien un prologue qui va nous donner les basiques comme la marcher, à droite, sauter. Et c'est vrai que j'avais trouvé que les couleurs étaient un peu pâles au début, ça me faisait assez bizarre. Mais une fois vraiment lancé dans le jeu, les couleurs vont être vraiment très belles. Ainsi que les décors qui vont être vraiment très variés. Comme vous écoutez derrière, enfin moi perso, je suis tombé totalement amoureux de cette bande son qui est vraiment magnifique, je trouve. Bon, on prend le contrôle. Qu'est-ce qui s'est passé sur la gauche? On voit bien qu'il le considère un peu comme sa maman ou son papa, je ne sais pas très bien ce qu'il est.
Et là, on voit vraiment le changement de décor par le temps. Les couleurs vont commencer à être plus fades, plus obscures. Les arbres meurent. Tout est quasiment desséché. Le grand bonhomme va rechercher de la nourriture pour oublier lui-même. Mais malheureusement, il va rien pouvoir trouver. Ne vous inquiétez pas si je fais du silence, hein. C'est juste que je trouve vraiment beau et je vous laisse apprécier aussi les corps, des sons, une histoire au début qui est très narrée et après ça il n'y a vraiment plus rien, plus d'aide, rien du tout. Étape de sa vie avec Cronounours, on va l'appeler comme ça. Et là au premier plan vous voyez une espèce d'araignée que l'on verra plus tard dans le jeu. Là, on reprend le contrôle du personnage. Mais vraiment, vraiment très très lente. On sent bien son désespoir. Et sa faiblesse surtout. Comme s'il lui manquait quelque chose. Thank you.
Et donc c'est vraiment là que commence l'aventure. Et vous voyez que ça commence, mais on n'est pas du tout guidé dans où on doit aller, qu'est-ce qu'on doit faire. Vous pouvez aussi voir que vous avez des sauts en haut, on ne peut pas aller, qui se débloqueront plus tard. Plus on avancera dans le jeu, plus on va obtenir des compétences différentes qui nous serviront pour débloquer des nouveaux endroits, des nouveaux pouvoirs, etc. Créer un lien d'âme. Donc créer un lien d'âme avec une espèce de boule de mana en bas nous permet de sauvegarder le jeu, donc on peut y revenir plein de fois. On peut en créer assez souvent, et là ça marche pas, mais si on appuie une fois dessus, ça nous permet de faire une compétence. Ah, premier vrai boss. Petit boss. Bon, je vais attendre un petit peu. On va essayer d'aller jusqu'au premier endroit, et après je vous laisserai. Et je vous ferai peut-être une vidéo quand on sera plus avancé. Mes forces me reviennent. Je suis sain, la lumière des yeux de l'arbre, aux esprits. Alors elle, c'est nos petites fées, comme il y a Navi pour Zelda dans certains Zelda. On les accompagne dans le jeu, et c'est elle qui nous permet d'infliger des dégâts. Pas besoin de viser les ennemis. Il suffit de faire un clic droit, et ça auto-attaque. Donc à chaque fois qu'on va tuer, façon de dégager des points d'XP. Et donc là c'est vraiment toute la map avec ici. Là. Les passages qui nous mèneront à travers tout le jeu entier. En sachant qu'on n'a pas de téléportation. Il faudra vraiment se déplacer tout le temps dans le jeu. Et donc refaire les parcours qu'on a déjà fait. Donc voilà, je voulais juste vous trouver ça avant de terminer pour cette vidéo. Le point de compétence qui manquait. Donc vous voyez en bas, un petit 1 est apparu. Maintenant, je peux appuyer sur E pour ouvrir les compétences. Et donc là, on aura trois arbres de compétences. On va dire un plus utilitaire, surtout pour sauvegarder, pour aspirer sur l'eau, pour prendre moins de dégâts. Un arbre, non, alors c'est plutôt défense celui-là. Celui-là, ça va être utilitaire, qui va permettre de démonter les objets pour récupérer automatiquement les cellules de vie s'affichent sur la carte. Ça, c'est vraiment utilitaire. Et en bas, dégâts. Donc avec. Permet de lancer 3 flammes avant de recharger ou plus de dégâts. Généralement on s'augmente à peu près tout en parallèle, parce qu'à un moment donné il va falloir utiliser 2 points de compétence, 3 points, donc de plus en plus. Là par exemple j'ai pas encore la compétence qui permet de démonter l'XP, c'est pour ça que tout à l'heure je m'en ai pas douté, parce que je suis habitué à avoir les mains on va dire.
Et ici, pieu aux esprits, qui est vraiment le point de sauvegarde, qui redonne toutes les forces, toute la mana. Et voilà. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous ferai peut-être une vidéo une fois l'histoire plus avancée. Bon, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous êtes intéressé par le jeu, sachez qu'il est vraiment extraordinaire. Plus vous avancez, plus c'est intéressant. Et vous devez l'avoir pour quelque chose comme 20€ sur Steam. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Ciao ciao!